Abidjan, le 14 juillet 2023, au siège de Crédit Access à la Palmeraie, s'est tenue la clôture de la 6e édition de son opération de don de sang, dénommée la Journée des Zéros, au profit du Centre national de transfusion sanguine. Je suis M. Kwame Ndoua, alors employé de Crédit Access. C'est un privilège pour moi aujourd'hui de participer à cette campagne de don de sang. C'est pour sauver des vies et c'est l'affaire de tout le monde. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est la 6e édition des Journées des Héros chez Crédit Access. C'est une action annuelle de don de sang. Et cette 6e édition qui marque une particularité, celle de pouvoir intégrer nos agences de l'intérieur du pays dans cette collecte de dons. Alors, c'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de notre responsabilité sociétale de l'entreprise. Et c'est donc un point très important pour l'institution qui nous engage face à cette action citoyenne qui permet de sauver des vies. Crédit Access est engagé depuis plusieurs années maintenant aux côtés du CNTS pour aider à contribuer à la réduction, n'est-ce pas, du déficit de produits sanguins qui est enregistré au niveau national. Et cette 6e édition marque l'engagement, encore une fois, de Crédit Access aux côtés du CNTS. Nous avons enregistré environ 300 poches de sang qui ont été collectées sur l'ensemble, donc des agences qui ont contribué efficacement à cette collecte, et nous en sommes fiers. Nous voulons remercier par la même occasion l'ensemble du personnel de Crédit Access pour cet engouement, pour cet engagement à contribuer à sauver des vies. Docteur Animès, CNTS du CHU de Kourou, de l'antenne de transfusion sanguine du CHU de Kourou. En cette journée du 14 juillet 2023, nous sommes rassemblés ici pour pouvoir collecter encore des poches de sang pour aller sauver des vies. Voilà. Et vraiment, nous vous disons un grand merci d'abord à vous, nos partenaires et à Crédit Access, parce que c'est très important pour les Ivoiriens de donner du sang pour sauver des vies humaines. Parce que le sang, il n'y a pas de produit pour en fabriquer, il n'y a que les hommes pour en donner. Donc nous vous incitons à venir faire le don du sang pour sauver des vies.